Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, et Yindi Bandeko au ministère de la Justice. Combattre les réseaux mafieux judiciaires parce que aux zones le cana justice Bandeko yango ya introduit bancarisation. Donc tout ba banque et le cana ro banque au tiété aux ana problème. Moteur ko fungola compte en parallèle aux ana problème. Bana mboka tous à la connecter peut au développer une émission là-dessus. Et puis on va parler sur message à syndicat. Ba magistrat bazaka contre Mutamba, bazo sepelati na ba réforme ya zakosala. Toza la connecte. Deuxième point, chers téléspectateurs, Kagame Bandeko lâché par le Royaume-Uni. C'est fini. Ya yazana problème, c'est rien de tout le bawa. Alors, tu y évites, positionne ce que vous avez dit, parce que Royaume-Uni a yé à zako supporté à Kora Luanda. Alors Kagame nabatuna yé zwabisaka bobimana RDC. Donc mawatro alors Tokoyoka ministre des Affaires étrangères et Afrique ya Royaume-Uni ou aza en charge Afrique Bokoyoka est ministre d'État ou ya Koloba. Toza la connecte. Chers téléspectateurs, to komi na point na biso Oya liboso ya Constant Mutamba. Toko divisa wandu, toko loba d'abord sur bancarisation. C'est-à-dire, ba mongo nyonso oya justice, il faut eleka na robank. Après, toko so la sur oyo syndicat balobi sur Mutamba. Point waneza très très capital, parce que ba magistrat ba komi contre Mutamba, pe toko développant ensemble. Alors, Bandeko, Mutamba a moni kende justice zo kende. Ndenge bambongo baza kozwa, oya zo zwa ba taxi, nyonso wane ya justice, ezo kota te, ba $40, ba $50, do bambongo zo kota na omewe, ezo kende nango na banki ti, ezo kende ba poche ya ba juge, ba magistrat. Na bato ba perceva ka bambongo wana. Membo yo kako ba liberté provisoire wana. Bambongo wana ba grand montant. Je donne un exemple ba kameri. Eze ba grand montant pour apese liberté provisoire. Bambongo wane kei wapi. Donc, e kuma ki un réseau mafieux. Oyo ba si ba bongisi. Alors Mutamba, ayena méthode asika. Compte Yangwane Fungam, il y a trésor public dans Robank. Au compte, il y a ministère de la Justice. Mbongo nyon sokozwa tiakuna. Soki bazuyu, ozo percevoir mbongo wana, o tiango na bankte, ozana problème. Et puis, ozu mbongo wana, au fond, le compte moko parallèle ne va pas le système à RDC. Comment? Parce que dans mon avis, je ne sais pas si je suis ministre. Comment ministre compte y a trésor public? Il y a un bon pays.
Mais pourquoi vous avez fait la compte, monsieur, en parallèle à compte? Ce qui va jouer aux arrêts. Ma kamu me magistrat baso boye babi kwa muta baso kanga bati deuxième deuxième partie. Alors situation ana ezo koma boye c'est parce que bato baso salama be ceux qui baso salama lam ma kamu nyonso baso ya noza pour pas bon samboka nazo mona tetililu omuta basalima be. Alors il a insisté pour Nango. Parce que bandeko bambongo ezako ke na maboko abatu. Boyba recette. Hein? Coulage de recette na aidé c'est un problème oyokaka majeur. Parce que ba ministère belé bazozo mbongo mezo kota na kesa l'étati. Yangwana fachache système ya renouvellement. Donc, nenge bazawana. Na janvier, yora y remaniema ba musuba kolongwa, musuba kokota. Angacha bango 3 mois kana septembre, ma monteto tchata tchissimo. Donc, quand neto kota janvier, remaniema, ba ministre musuba longwe, musuba koti. O travaille bien te. Ozo sale le côté. Parce que tout le monde. Tout le monde, le ministre de l'Intérieur, va se déplacer partout. Tout le monde, le ministre, même l'environnement, va se tambola. Tout le monde, le ministre, nous sommes dans la moukine, dans la moukine. Il faut travailler. Alors, Moutamba, nde azo sala une grande différence. Pourquoi? Parce que azo le ministère m'a régalé. Ministre d'État, la ministre de la Justice, la justice élève une nation, donc il faut travailler dans le niveau de la nation. Et puis, à la question, les Congolais sont des milliers. Je ne vais pas commenter. Je félicite les gens qui sont en train de se faire. Si vous avez dit que vous avez beaucoup de messages, ça lui donne du courage d'aller encore de l'avant. Et tous ces Congolais, soi-disant, ils ne sont pas Congolais. Ils ne sont pas Congolais. Ils ne sont pas Congolais. Ils sont journalistes. Ils sont Congolais. Ils sont Congolais. Parce que ils ont un grand boulot à féliciter tout le monde. Tout le monde. Ils sont ministre de la Justice. Match est mon boulot. Alors, Banamboka, Moutamba, et ils sont au ministère de la Justice. Il a raison, particulièrement raison, na makambo oyo, oezo salama, na justice na biso. Alors, combattre raison mafieux judiciaire. Et yindi au ministère de la Justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a vivement réagi aux critiques émanant des syndicalistes, dont les syndicats des magistrats du Congo, SIMCO, qui l'accuse d'ingérence dans les affaires judiciaires. Lors d'un point de presse, bande konanga batuna ke ba question, yé a lobi clairement kazane contre Bangouti. Mais toujours yana parti wana. Donc qu'est-ce qu'on a parti assez? Moutamba lobi boy. Que a suivi, parce que makambo nyoso, bango bazo sepelati. Na o nyoso yasali. Yangwana ya ye, alubi ifo bankarizasyon. Bambongo nyoso yekota na kesa leta. Mutu oyako yiba mbongo awa. Oyako sale yango mbongo nyoso yawa na banko ndebozo mwona ye moko ala banko. Alo, voilà le dossier. Metoyo kamutamba, bongo to avanse na emisyon na emisyon. Rien qu'à travers cette coupure du ruban symbolique, les réseaux mafieux se sentent bousculés jusqu'à dans leur dernier retranchement. À dater de ce jour, le droit, taxes et redevances dus au secteur de la justice seront payés à la banque. Et l'inauguration de ces sites Robank par le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba, est un signal fort. Le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, nous a instruit
le pouvoir réforme. C'est à cet effet que nous avons pensé la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Tout le monde pouvait percevoir ces taxes, ces droits et redevances. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette manière d'opérer. Le garde des Sceaux met en garde ceux qui rameront à contre-courant de cette réforme. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui va tenter d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du trésor public sera arrêté. Tout celui qui va percevoir les cautions judiciaires et bien d'autres droits, tout celui qui va s'amuser à percevoir ses frais entre ses mains sera immédiatement mis à la disposition de la justice. Il s'agit ici de la prise en charge par les circuits bancaires de plus ou moins 240 actes générateurs de recettes concernés dans les secteurs de la justice, et ce dans l'optique d'éviter les coulages des recettes et mettre fin à la criminalité financière. Bonjour à tous. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux lance officiellement l'opération de bancarisation des frais des justices en vue non seulement de renforcer la transparence et l'efficacité financière, mais aussi garantir une meilleure traçabilité des transactions financières liées aux procédures judiciaires. Ce lancement s'est passé hier lundi au sein du ministère de la Justice. C'était devant les magistrats, greffiers, certaines autorités et responsables de l'Arobanque. Dans son allocution, le ministre a expliqué le bien fondé de cette opération et a mis en garde les magistrats, greffiers et autres auxiliaires de la justice qui tenteraient de s'opposer à cette opération. On écoute Constant Mutamba dans cet extrait proposé par Jeff Ngoy. Nous avons pensé la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Comme vous le savez, avant moi, il y avait une confusion à ce sujet. Tout le monde pouvait percevoir ces taxes, ces droits et redevances. C'est pourquoi nous avons été scandalisés par le rapport de la Cour des comptes faisant état des détournements de plusieurs centaines de milliers de dollars perçus à l'initiative de certains greffiers. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette manière d'opérer. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention, attirer l'attention du peuple congolais, des justiciables, que désormais, tout celui qui va tenter d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du trésor public sera arrêté. Tout celui qui va percevoir les cautions judiciaires qui sont perçues par nos magistrats, qui sont perçues par les agents de police judiciaire. Selon le garde des Sceaux, près de 240 actes générateurs de recettes sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Le droit des censures d'une chanson, par exemple, ou d'un spectacle commençant par le long métrage d'un film revient à $30. Le court métrage d'un film à $20. Pour les concerts live enregistrés, c'est à $50. Les téléréalités, karaoké ainsi que les films virtuels reviennent à $20. Tous ces frais et tant d'autres échappés au trésor public. Chers téléspectateurs, Tolandi Mutamba, il faut battre ma cambouille. Bancarisation est un système moga qui toko. Quand à Robin qui angwa na ya ministre, ya trésor public, tiens bon kuna. Pourquoi linka yomogo tche, bande bazo percevoir bambongo ebeli. Et je sais la propriété. Parce que le système yambo kanabiso oyo batu baso benda bambongo baso do yemoko do adu banki ya trésor public a sali compte moko parallèle na yango. Pourquoi mutamba le bien? Et ça la ma do et ça bilo mo mabe. Yango baza contre. Batu yo baza mabe. Ba magistrat bo changer mon thème. Bo fungola mon thème. Mutamba yeko sauver mboka oyo. Justice zakia kokufa. Bo ede Constant Mutamba bo tika kosalende buzu sala wana. Naso yibati. Chers téléspectateurs, je ne vois rien. Oya mabi. Il est là azo bon samboka.
Donc, bango pe bato ba boma kapena mboka ba magistrat oyo. Toke diet bana pona. Toko tanga ensemble pe boko yoka. Parce que ce que comme ko fungula ba banque, c'est pona bango. Et puis a lobby ango bien. A mission chef de l'État. Ba réforme judiciaire. Soki yo tchembongo wana kunate ozana problème. Et puis son fungoli compte mon parallèle ozana problème. Et mena ba magistrat ba tomboki. Ba ke ko mon le sous syndicat na bango wana kaka. Ba ne gol pour la deuxième fois mena siko. Oh. Mais fou ba kanga ba twana. Oh, ok, n'est pas bas syndicat mon corrompu. Je crois bien syndicat boulonnaie à en défendre bas magistrat. Tu comprends? Mais na niveau ya boui. Mais bon. Oh. Bah le do yé mon ko bozol bolinga salani. Et sa propriété. Moutamba a lobi na ekolongo la réseau mafieux. Onyon souezana kati ya justice. Tozana besoin justice moko clair. Et puis bambongo bezo kota na kati ya banque. Et puis bato tout bazana ba problème ya injustice ba regle yango. Oyin poni bamba zo banga. La majorité na bango na ba magistrat. Bazana ba problème na ba batu. Basala moutou wabu injustice quelque part. Mena bazo lukaba menase mutambe ko simbati. Ba kongole to koza sima mutamba. To si porte itala batu yu baza batu mabe. Boye ba ki baza aka wana pana 20 ans. Ba mousousu lera kabila. Ba magistra la majorite. Oye wana. Ba wume na system wana. Lele bazo yu sa mutamba ki o. To zana frais de fonctionnement te. O. Kaka lere babani ko tiam no moto bo kalabo lo bakite komo marche za mobulu ndenge bazawa na baza contre bazo sepelate bazo lingate oyo mutamba memeli ba kongole justice moko akitoko pandiko makamba boyi batu bazo telemerai totanga bandiko za mawa to komi na paragraphe wana. Kaka écoutez Bandili. Que ministre Constant Moutamba vivement réagit aux critiques émanant des syndicats, des syndicalistes, dont les syndicats des magistrats du Congo Simco, qui l'accusent d'ingérence dans les affaires judiciaires et d'instaurer les tribunaux populaires. Oh. Mais tribunaux populaires, il faut tout n'a qu'à battre ma question. Bango moni bato babimise lango terme tribunaux populaires. Eza tribunaux populaires te aza ko sola na peuple bo yo problème na ezanine. O nga na zena problème na parka kalamu bakanga nga na mukonzi moko bo. Ah ya kanga ki yo eh. Balobi yo ya komosa ba tribunaux populaires medi. Botika bato. Lors d'une déclaration publique lundi, Moutamba a affirmé que son objectif est de combattre les réseaux mafieux au sein du système judiciaire congolais, et non de s'attaquer aux magistrats eux-mêmes. Il y a le besoin de combattre le système. Oyo Kabila Tika, oyo Kota Ramboka la mission pendant les 20 ans, il y a le besoin de combattre le système. Mais ça n'est pas un problème avec la magistrature. Oh. Mouya, ça n'est pas un problème avec la binote. Bon, bino problème avec la binote. Et ça, y'a quoi, y'a. Je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau, mais j'ai refusé, a déclaré Moutamba, rejetant ainsi les accusations de corruption et d'auto-enrichissement portées contre lui. A lobby, bangol m'a coté na kata kopa, donc maman oyo azalaki avant yo, a kota ki na kopa ba magistrat, yangwana justice koufaki, tozu ma yele, baramboka botanga, to avance. Eh, nzambe mboka na biso. Bo, na ministre. Bo, nga bo korompre yi. Bo, kote na kata kop. Ah, non, mboko eza probleme. Oh, là là. Il a également souligné qu'il n'avait pas cédé aux pressions pour changer de véhicule ou acquérir une villa dans des quartiers hippés, preuve, selon lui, de son intégrité. Alobi ya yi a poisson baba villa te.
Aïe, pas bon, ça m'a pas cela, ma plupart des ministres sont sur ma ville. Système, on va côté à Boyango. Bande de quoi ça bateau, je m'excuse. Bateau, bazama B. Bazama B. Alors, Moutamba poursuivi en affirmant que son ministère est déterminé à éradiquer la corruption et les pratiques mafieuses au sein du système judiciaire, même si cela implique et s'opposer à certains magistrats. Le ministre de la Justice n'est pas contre les magistrats. Il est contre tous les réseaux mafieux. Si un magistrat en fait partie, il est mafieux, a-t-il martyré. Cette prise de position intervient après le SIMCO qui a dénoncé la méthode de Moutamba accusant ce dernier de déposer des réformes de la justice à l'Assemblée nationale sans consultation préalable et de prendre des décisions judiciaires de manière unilatérale. Les syndicats également ont critiqué l'instauration des tribunaux populaires où Moutamba aurait ordonné publiquement des arrestations. Je pense que j'exécute les instructions du chef de l'État. Et les choses doivent être claires. Nous allons nous battre contre les réseaux mafieux jusqu'au bout, a insisté Moutamba, ajoutant que sa lutte vise à redorer l'image de la justice congolaise et à protéger les intérêts du peuple. Les syndicats des magistrats du Congo avaient lancé un appel à la résistance, exhortant les magistrats à s'irriguer contre ce qu'ils considèrent comme une ingérence croissante du pouvoir exécutif. Moutamba, de son côté, a réitéré son engagement à poursuivre les réformes nécessaires pour assainir le secteur judiciaire de la RDC. Alumbia Kobanga Bangote, Bango Baeba Kote Nakata Kulua Rwana Boi, Pwaki Rosa Villa, Soki Nama Kampagne, Soki Wapi, Yalobi Yazaya Alpona Makambuanati. Donc, système aussi salama, donc, n'a syndicat, oyo, botala, bah, on malam, bazana, katia, cop, parce que, moutan, bah, zoïb, sa, bah, clairement, que, y'a, koko, tanangote, y'a, y'a, pour la peuple, pour adresser justice, oyo. Matchez, à mon boulot. Alors, tout développer, ma solo. Avançons. Bandeko, tout supporter, moutan, bah. Il faut appeler protection à ma casse. Ake ba na ba tata ou ba magistrat ou. Na syndicat na bang. Bato ba zana rezo mafie si salama. Parce ye mole la ye, bandiko, botala na. Parfois je ne comprends pas. Ministre de justice a koti. Bozo psi komoni mokonzi. Awa ah, ifo to salabou, to salabou. To sala nini. Ya zana besoin ba vila wanati. Azana besoin bon sa justice au Koufa. Monsieur chef de l'État. Ah non. Yango, maman ou ya zaki na problème. Maman ou ya koraki ba magistrat ou ya te, maman a mi koti na système. Pas ça ou le beloni. So justice au Koufa qui s'a dit, maman Rose Mutombo, azaki na bangou. Parce que, Moutambaye bazo salabou. Totang yon a bisoti. Totang yon bisonios. Ke ba kote na rezo wan. Un rezo mafie. Bok na ministre de justice a o alibosu da azaki nena kati. Je m'excuse. Sona le mabi. Azaki nena kati. Mais comment wa ye sika? Bon memie na système. C'est ba ministre de sa justice ba o le kawana. Ah, nzambe. Tala, bo kende na ba ministère. Botala ba boba se ba wumela wana si do kata mini chaque ministère bo mona tata mo dans les secrétariats généraux bato ba sala ka kuna bo musa sale 20 ans l'era Kabila ka yena poste wana ba ministre bazo changer ya za wana kolo dossier fo botala ba tata wana ba mystique allo Moutamba refuser carrément neto landi. Justice Oyo. Mokonzambo ka le beza malade. Toti moutoua e ko bong sa yango. Ko biki sa yango. Pongo, bino bo tele mirai. Merci nde kona commentaire na yo ki babate la Moutamba. Pase bankolo ba poison. Fona lo bande ya lo baki. Bankolo ba poison baza. Moutambe fou babate la yi. Pase nde to lo bawa.
réseau mafieux, c'est un réseau ténèbre. C'est un réseau, on a déjà aussi une salle, une réunion contre Kakaï. En tout cas, il y a des gens qui sont en Mboka. Peuple congolais na nzela aso souffri aso longwa sikiki seso kingasani a pied pour aller en ville lemso azonga na poko na banekan sou 3000 francs congolais lemso kapo ali ndunda na bani la journée c'est papa là manque de travail, il n'y a pas de boulot, mais quelque part il y a un réseau mafieux bien organisé, basa meko corrompre ministre de la justice. Faut lobe la batouille. Il faut ba kanga bango. Et ils sont allés encore plus loin. Des tribunaux populaires. Oh. Akuta naba maman. Naba tout. Mouta y a un problème na yana ngo. Problème na yana. Oh, nga, bon ba kamba nengo wana ba leke parabino. Bino batu bosala batu mabi. Hein? Ba compte à rendre. Le kolangana zabo yoko mona na kolaksa yo. Na chona makala. Ah! Akepe na tribunal angope kuta malonga pete. Osyo mona kaka mutwa ye. 20 minutes. Pas même 20 minutes. Basami se silimba mo makala. Oh! Mboka nino. Moutazana pro bakangi moto a violé moi sine. Oh asba, moi sine a causé les makam. Il y en a qui se passe comme ça. L'autre là a lobi, mais bon ça me savon jusqu'au fond. Boko yeba nani azana raison. Bino bato bo kangsa kangsa batu. Et comme tout na bino. L'air en oui. So katanzela nini bako zoyo. Parce que Moutambalo a lancé Interpol partout pour une arrestation bateau tout au justice à Zoloukana FDC. Il a une mission de faire sortir le cadavre Nyonso dans les placards. Donc c'est-à-dire, bien peu ma ministre, c'est Bozana Kati. Bien peu ma magistrat, Bozana Kati. Bato tourne à Kala. Bata FCC Moussouna, il te souk l'héro. Baba siya, ba constitution. Ke ba koko kangete na ma benyo sa salaire à Zagira Moussal. Ah. Ah, matche zara FCC so tali le motalo imboko et sa musique. Oyo amboke inda akaka chaque jour. Do souki na zotala makado moutu penza. Ba yia wana ba sala ba rizo na ba un. Aso banga pete mais ça justice au monde ngoyé faut zana vila moko na ma campagne ah wa makamozo sa mutamba même mutande ngo mutamba kangeka bon a kangé pe ya pe sika a lobi ka bon et ça passe a lobi ye makambo ni zati do en tout ça. Moutamba yo comprendre que tu as un problème sérieux. Pendant que nous sommes à place à Moutamba, au moins à peine que oui, boulot est allé. Eh, batu basuba, comment un système mogo boue batambula nango? Yo yo longo lango. Ya ou alu bo batte la yi. Baza mi teme komi rouge ba contre yi. Na système à bancarisation ouyu. Bambon nyo se ke kono me bato olia na salaire kaka. Baba mesa na salaire ti. Baba bato azale su na 4 femmes. 4 maisons. Me magistra. Aza nda kuna nda kuna nda kuna. Olo banete, solo magistra kangisi. Oke makala. Voilà le système. Ba magistra bele bako bimana poisa. Ba kanga kanga batu. Akutu mutu mobo na problem mobo. Lem su mutu na zana, ye mutu na foti. Mais quand c'est Moutabatu, pourquoi il y a un magistrat? Il y en a même qui ont pris des parcelles à Batu. Il y a un papier qui a été rappelé.
ministère de la justice a appelé le kende, ba oyamba na gombe kende, qui mezala na papier mwezo la kisa. Commission se salami, kene ko pesa mutamba. Solution ne ko zwama. Mutumo ba sala yo, alia yo, kobo moza papier kende. Mboka ou fo justice zonga pena mobesu. Bon, ba moussouba katse banzela Brazzaville, soit Angola, soit wapi. Tozana bina. Alors, bana mboka. Voilà ce qui se passe à EDC. Tozo comprends, te moutamba salinini. Oyo bango nyoso ba komi contre yi. Mais syndicat wana ba magistrat. Boulan maza ko défend ma magistrat, mais pas comme ça. Parce bango baza ba tami beku. C'est que bino ba ta syndicat, pe vous a quelque part un avocat. Oye, ba pe mi beko. Ba ma zo buka mi beko, me yo zo défendre, ba ou dans ce cas-là, il y a un problème. Alors, ba na mboka, to komo tika, premier point, to komo kena deuxième point. Chers téléspectateurs, Kagame a za lâché. Pa proche na ye, oyo kaka grand pays, ou a plus puissant, le Royaume-Uni. Bandeko Grande-Bretagne ba suti Kagame. Nama kamune ba emigre ba bwa kisiango gouverneur kotisika. Yebaki, ministère moi ya affaires étrangères ou en charge d'Afrique. Ake abandine pa loure so an Angola. Aye ba makamango zandenge nini. Parce yene mouta ufungula mon pena dossier. Ba longwe pa Lourenço ba yo comprendre. Tato yo Kagame aza pena mutu mabi. Aza na problème de to lobao. Akora luando yo. Kagame aza na problème ba anglais ba koti. Oya sika. Ba omoni yo akala gouvernement ba conservative wana. Bango ba zake na Kagame ba ke na kop na bango. E bo ba koti sika. Ba boy cop wana kutia ke ba réfugié ba ke ni Rwanda ba nila ombala moko. Allo. Albalimba ye ba na muzindo ke se passe entre la EDC et le Rwanda. Parce ba kuti gouvernement liboso ba loba ka kutu ya ngote ba ngote ba za okipe na bango ya ngote. Ba ngote kune tali ba ngote ba ngote ba réfugié na bango ba ke ne pa Kagame. O ba koti sika. Ba banda na Rwanda. Après Rwanda. Pam 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 parce que le ronge baie pas fachi. Tamba comme va pas fachi, ba lobi clair. Ba de koto l'anda très bien. Ba na de pour. Ya sécurité est na économie. Bo yoka na économie, bo yoka. Ba lobi boy. Que accord à Luanda bisoto supporte EDC jusqu'à accomplissement nango. Tout ça na besoin se matérialiser ndé ba Angola zo mené yango. Donc Kagame bimisa batuna yo. Banglo ba supporta kayo. Soki pe conservative zo pe so mwa minduki. Oko zwango li suti. Minduki wa zo pe se koya suke panabiso. Poto yeb sa bamba britannique mena ki aboyi na yiko bima. Bo pe sa biso minduki ya makasi. Bako pe sa fachi. Pase bo pe neba yiko koopere na fachi. Obo zako mwona wane za yiko gouvernement mususu. Oye koti siko bandeko. Ya ba travailliste bango penza lebo baza pena oyo kaka pour le peuple. Alors ba e pa fachi ba e bisi si rakora Luanda ba ko supporter EDC pour l'intégrité territoriale la biso et za la respecter. Donc c'est à dire Kagame akobimisa batu na yi pas même par force akokende. Parce que bango bazai kolobate. Parce que gouvernement du Boso bazai sima Kagame. Ya onto e sabino ke matche zo balukana ndenga ko sakanati. Parce que ba conservative bazai pour Kagame. Pona ba kona ba ona ye ya ba refiji. Ba kwa ko lobana te loko mokoti. Baza ou bunda nango. Mais. Ye ba ke ba boyaka yango. Ba mba ke ko votango na ndenga parlement na bango. Me kope simbi gade. Kagame pa zong simbongo pete wa pesa ki. Tato yu aza mystique.
Mais naibi qui va vous menacer car on soit bon bah on va penser que bah bon pour nous vivre bah on kata kata bon bon on aye on va penser que alors namo kuzamboka tozonga benana réunion benana qui après Luanda bah que okuta na fachi masole bandi tu la bonne vidéo pam 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 masolo qui toque exact c'était hier et puis bah yokani très bien si raccord wana Luanda ndeni bah kusipote RDC. Et puis, bah, quel côté économie? Bah, matière première, bah, l'obi, bah, na kosala, mona EDC. Po bah, Congolais, bah, jomisala. Boulanda. Tala, bah, lebo, oui, bah, koti. Tozo, mona gouvernement britannique, bah, tu m'abère. Effectivement, bah, zala, bongo, bah, zala, pour bisoté. Mais, bah, bah, koti, siko, bandiko. Pour bisou. Bah, l'obi, bah, yokana. Que, ezala, bah, matière première, bah, traite, bah, sa, bah, usine, awa, na EDC. Bah, Congolais, bah, jomisala. Ba ko exporter ngo subongote ba traiter ngo awa après ba exporter biloko nyonso basali et que me bango ba ko sala ba ici na EDC ba congolais ba jamisala voilà ba travailliste bango baza batmo kaka bata misala alors Kagame a un problème ba minero teke la kabango. Il y a comme ça aux gens direct mais pas nabisu. Tata oya au comme un point qui a comme une situation moko difficile. Bah solo les sili. Et sili wanate. Bah quel sous est pas soumino. Bah que kokuta na kuna ba traiter dossier kaka moko. Il y a ba minerai stratégique. Nama kamwa ko développer yangambi babiloko belera RDC a forêt bassin du Congo makambo kaka économie pona mboka balini ba congolais ba zo misala siko bozo mante ke tato a komi na problème passe batu bazo supporter batiki bae ko mona ki a tato ya zo ko kosa batu zo ko kosa batu. Mais bah on na sir bah on le va côté na pouvoir bah tali va bien tant na po bah kené d'abord Luanda et pas Lourenço yem to sa médiation ma solo ngweza ndenye nini Lourenço attendeli bango tout nande Kagame zo résister pour na kobimisa batu na yi bango ba yebiseke ekozala ekosalama Kagame kobimisa batu na yi quel que soit comment allo Tolanda, neba kutake na fachi, na premier ministre, ministre affaires étrangères britanniques, bongo, to développer masol. Kagame, lâché par le Royaume-Uni, suivez, ministre affaires étrangères, Lord Collins, d'abord à Kenaki Angola, après au kuta na fachi. Coopération RDC UK, c'est lundi 19 août à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a accordé une audience à une délégation britannique. Conduite par un Collins of Ivory, Lord Collins, ministre d'État, ministre pour l'Afrique du Royaume-Uni. Au cours de ces échanges, un accent particulier a été mis sur le processus de paix de Luanda. Nous sommes engagés à soutenir le processus de paix entre la RDC et le Rwanda et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC, c'est-à-dire yo oyo katsa kina EDC, bima na EDC. Ezaya ko yinda, esie yindi. Je suis venu avec le message de notre nouveau gouvernement pour faire avancer les partenariats entre les deux pays, soutenir les progrès en termes de développement économique et les échanges entre les deux peuples, a déclaré Lord Collins. Bon, oyo kai. La RDC et le Royaume-Uni ont ouvert ce lundi 19 août un nouveau chapitre de coopération principalement axé sur l'économie. J'ai dissumé ma première ministre de la RDC et Lord Collins, ministre britannique des Affaires passées à Longwana et pas Fachi, Ake Sukoyo et pas Ya Soumino. Bangwana photo naïe, na ministre, na premier ministre Rabiso, pena ministre Affaires étrangères. Ministre Affaires étrangères, Pebo Oyokaye, Ndenga ko expliquer ma soul.
ont discuté au contour de ce partenariat. Il concernera plusieurs secteurs de la vie économique des deux pays. Pour les diplomates britanniques, il est important de développer les coopérations commerciales et de transformer les ressources naturelles de la RDC, notamment dans les secteurs miniers. Kagame, pas minéré na yo, mawatru. Bango benaba yena source. Yo, Osuki. Osuki. Je crois que cet accompagnement ne se limite pas à l'industrie extractive. Nous voulons assurer que ce qui est extrait soit transformé, car cela permettra de créer davantage d'emplois RDC Bolandi. Ak ba créer ba misala awa na RDC. Ba Congolais ba djwa misala. Le potentiel est immense, notamment en termes de jeunesse. Cet aspect très important, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique à la presse. Aza ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique, aye ko beta masolo kitoko. Masolo oyo et ko changer même économie na biso. Kagame a un problème maintenant, parce que processus à Luanda, il faut pas respecter l'intégrité territoriale à RDC. Il ne faut pas respecter comment l'armée rwandaise est à RDC. Donc c'est-à-dire, on va la forcer avec votre armée de quitter la RDC, M. Kagame. Vouloir ou pas, vous allez quitter la RDC par la force. Alors, maintenant, situation sur Totalia. Oyo kabande ka Congo baloba batoyo oyo soko oyebite tunangai ngamo kona za na yebi bango baza batoyo so bakoti ba edaka le petit peuple ba edamu batu baza na souci ya population dozo mona bango oui ba tala ben tere na bango to yebi yango me bango na ka oyo baza kutuna Kagame pa de masulu. Kagame na bango kopezo le kati. Pense d'abord un a bendi mbongo a l'état. Kagame mbongo ba britannique wa peseka ba refugie ti shikona na pesiti. Azo promette kame bako kate na ba mbongo ba edakai. Alo, situation mena to komi nango. Kagame fabi misabatu nae. Awa ba lobiti. D'abord, économie, makambo ebele ya mboka na biso et puis ba respecter frontière à EDC. Donc, Kagame luka bato kono tekla ba minere, ba client ba kumo ya na source, macheza mobulu. Alors, toyoka, nde ba solana fachi, nde bomoni ba vanda mesa, et puis nde ba solana mama chiminoa, pe déclaration officielle, boyoka, ministre affaires étrangères pour l'Afrique, pe boyoka, ministre d'État, ministre affaires étrangères, Boyokaba Mbali. Le Royaume-Uni s'engage résolument à soutenir les efforts de paix entrepris dans le cadre du processus de Luanda afin de ramener la paix dans l'est de la RDC. Au cours de l'entretien avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Lord Collins, ministre d'État britannique pour l'Afrique et les droits humains, a réitéré la volonté de son pays, le Royaume-Uni, à faire respecter l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. Reconnaître le progrès avec le cessez-le-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays, avec l'objectif à long terme vraiment de soutenir cette paix. On sait que ce n'est pas facile, mais nous sommes engagés vraiment à soutenir et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Londres, était également une occasion de passer en revue le partenariat existant entre les deux pays dans plusieurs domaines stratégiques. Thérèse Kayikwamba est ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre Son Excellence Monsieur le Président de la République
et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissements déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. Les deux étaient très intéressés et d'accord surtout sur l'importance du capital humain de la République démocratique du Congo, notre plus grande richesse, et sur le besoin d'investir de manière continue dans la capacitation de ce capital humain afin que la prospérité, le développement durable puissent voir le jour en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, deuxième étape de sa tournée africaine après l'Angola. Il s'agit d'une première visite en Afrique pour le ministre d'État britannique en charge de l'Afrique et des droits humains. Le nouveau gouvernement britannique, qui a marqué son opposition sans attendre au financement de l'accord d'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda, vient de proposer un nouveau partenariat diplomatique et économique à la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Ce lundi 19 août, à la primature, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a discuté des contours de cette collaboration au cours de l'audience qu'elle a accordée à Lord Ray Collins, ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique et sa délégation. Well, it was a very good discussion and Her Excellency was very welcoming, but she also introduced me to important members of her government and what we were able to focus on. Le partenariat est basé sur la croissance économique parce que le nouveau gouvernement du Royaume-Uni est engagé à fournir ses différents services dans le contexte de la croissance économique. Et ça ne proviendra que du commerce. Et cette croissance-là est basée sur les échanges pour développer la situation ou le paysage économique en RDC. La Grande-Bretagne veut également accompagner la RDC dans la transformation de ses produits issus de l'industrie extractive pour favoriser la création d'emplois, ce qui rencontre le programme du gouvernement à son premier pilier. Je crois que cet accompagnement n'est pas seulement dans l'industrie extractive. On veut se rassurer que ce qui a été extrait est transformé parce que nous voulons qu'il y ait plus d'emplois en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a beaucoup de potentiel ici en termes de la jeunesse. Donc c'est un aspect très important. Julien Paluku, ministre du Commerce, et Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, ont participé à cette discussion. Le nouveau partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne sera matérialisé de façon formelle dans un avenir bien proche. Ok, chers téléspectateurs, tout l'an dit bisognoso. Donc c'est clair. Soto banda n'intégrité territoriale est descendu tout l'an la vidéo. A kende d'abord Kutana Lourenço. A d'Angola. Après, a yo Kutana Fachi. Pour qu'on a sait que dossier Mobimba. Et pas Fachi pe yo yika Fachi a koulo bere penna. Bango baza boya liboso wana te waza gouvernement si ke koti n'Angleté. Bango na Kagame n'y a pas de cop. Bakutu ba barem de ka bakot na pouvelo ka liboso ba salaki. Banda lelo ba kora Luanda na Angleté ba bomiaou. Tuna bato baza na Angleté ba Kongole ba woyebisa. Alo, tan ba boyi yango mena. Baba ni kolende ye batato azanani. Makamuni nezo leka. Ndenge to landi wana. Clairement, frontière et de ses à respecter. Processus à Luanda et à la respecter. Mais de quoi à Luanda? Et à clé. Fatiba qui vraiment sage pour ma sien qui a couronne. C'est là où Kagame Maele Sidaki. Baso tanga makama 1-23 te zande EDC na Rwanda tozo bunda. Ba AFC wane zaka ka koki vide. Ba mindele pe ba comprendre ba yo tanga le sou 1-23 te. Ba kumo tanga EDC Rwanda, arme rwandaise na EDC. Place Kagame za na kanda po baso tanga le sou ba 1-23 te. E komika EDC Rwanda. EDC Rwanda. Do bango pe ba changer maloba.
kaka entre la RDC et le Rwanda, il faut bas makambo ici là, bas zo bas Soudan ne bas quitter RDC babima. Parce que t'as su monter, parce qu'il n'y a rien là-bas, c'est Kagame. Alors bino tu bas taper perdre bozo kene kuna bozonga, boko sila. Parce que match on est zo kendi. Biloko a moto bokozwa parce que le 20 yo tozo zela ndenge lelo ti lobby bazana Luanda du 20 au 21 lobby to koyoka oyo bakati na Luanda parce que ministre affaires étrangères de bumoni wana c'était hier donc ndenge azawa na zadi na Luanda bakoyebisa biso mena lobby le 21 ndeni lobby ne mission lobby to koyeba Ndeni bako avancer makambo ngo parce que c'est le feu oyo baluka ba comme son mulai makambo si la rapide Kagame abimisa batu nayi parce que pour le moment zo pie ba ressources na ndenga mukiti ba continue ce zo kende Rwanda alors bato yo to si la nana bango très propre ba direction ba nzela ba zo kende kota ba rebel yamba wela kime Aisha frontière na Uganda kapo ba lekse ba biloko na bango alors Bandeko voilà le dossier. Si la situation est comme nango et comme clair. Le cola Kagame a lâché presque passé et tikal ki banglais ba menate yo ki bango clairement batikié. Situation est comme difficile. Donc Kagame to ko bengane na makasi. Il va fuir ce pays. Na bato bazo soutenir na bona aider ceux qui wapi. Bako kanga kanga bino nyonso. Botika mboka ou EDC, ba Kongole ba beneficie kamen na ba richesse. Ba musuna EDC a konje ba 60 ans, pas d'espoir à vie. Ba toa bako continue bon ote, ba toa la vama mboula mwe poussa en souko leke, fou ba vivre kamen, ba minere ouyu, ba lia mbongo ba minere, ba Kongole ba kon souffri bo ete pays riche a minere. Tangwe koki. Yantou yse ba Kongole, totalement. Si ma farde de se to se préparer, parce que ma kamine ne za kouya ko sakanate, et za la pena coup direct, Kagame kite na batuna yo, ou bien to zo force ou kite. Alors, banamboka, bota la situation de zo kende, soko landi de si ou comprenne clairement te, ba américain d'abord, mena ba anglais, situation à Kagame, zo koma plus pure. Bino bando ka Congo bo changer ka ba version malouba. Ma kambo ezali awa mutako changer ngwa zati. Biso ya kadaba pref. Pase bino bo changer kama loba. Bozo bebe se mitema ba Kongo. Libo pese mwa information mwa kwa mabe. Mboka EDC. Toko rekipere ba territoire. Toza la surba na mboka. E toza optimiste. E ke sa va se reagir. E ko salama pe toko zo yango. Alo. Bana mboka. Se ta se point. Toko mo clôturer mission la biso. Bon, continuez à s'abonner massivement. Au revoir. À la prochaine.